Je vais immédiatement procéder à la présentation des dossiers à remettre, n'est-ce pas, du directeur Antoine. Le second dossier porte sur le décret numéro 91-664 du 9 octobre 1991 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national des sports. Nous avons un contrat de concession de régie de communication et de construction de supports d'espace d'affichage ONS Aramis. Le directeur entrant, c'est vraiment plus qu'un frère. Et nous avons à l'époque créé notre association de DAO dont je suis le président et nous sommes conseillers. Donc, je voudrais par là dire à tous mes collaborateurs que si vous vous comportez de la même manière avec lui, en étant disponible, et surtout en approchant n'importe quel problème. Je dirais un grand merci à M. le ministre qui, dès qu'il est venu, il a demandé aux uns aux autres de produire, n'est-ce pas, le CV. Et quand il a vu le mien, il a donc décidé que j'allais ouvrir une autre structure, toujours au sein du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs. Donc c'est vraiment un honneur. Le moment viendra où, en tout cas, tous allez vous joindre à moi pour lui dire un grand merci. Merci au ministre, le ministre en charge du sport et de la jeunesse. On va faire confiance en le moment au poste de directeur de l'ONS. Je viens de continuer l'émission. La charge que le ministre a bien voulu me confier, très importante. Elle est lourde parce qu'il a une vision assez importante, assez grande des missions que l'ONS doit accomplir. Et je voudrais pouvoir compter sur vous en toute simplicité, en toute humilité. Je pense que le directeur est